Donc ça risque d'être incroyable comme match. On va débuter ça directement avec l'introduction du match. Une grosse performance, ça prend, oh my gosh, je suis limite un peu stressé. Derrière le filet, good job, Benning, pas de revirement, quelle rondelle, oh non, derrière le filet, c'est Tarasenko, tentait de battre le gardien, Beaumister à la pointe, Beaumister rentre le filet, ça aurait pu être dangereux, The Rock frappe solidement, oh Beaumister, il y aura hors-jeu, The Rock a frappé solidement avec la hanche, un joueur des Blues, je sais pas c'était lequel, Connor McJesus, mise en jeu, perdu, mais The Rock est là, il prend beaucoup de pression, oh, pour lui, un vieux a raté le puck, Ryan O'Reilly, contre-attaque des Blues, Parenko, derrière les filets, c'est Tarasenko, good job sur Tarasenko, good poke check de The Rock, qui a fait mettre la rondelle dans son propre filet, et on saisit la rondelle, et on va tenter une sortie de zone, la passe à Dalton Nurse, qui se porte en attaque, Dalton Nurse, je prends ta place à Diff, good job, Jesse Puljujärvi, la passe, mais Tarasenko avait bien lu le jeu, là. Tarasenko. Un contre un face à The Rock. Réussi à se démarquer, à remettre vers Schwartz. Schwartz, devant, good job. Zetterberg passe à Schwartz. Schwartz, déborde. Schwartz, oh, ça aurait pu être dangereux. Schwartz récupère la passe. Oh, peut-être une passe de trop là-dessus. Et on va pouvoir en profiter pour aller changer. Les deux équipes, là, jouent un style très, très, très serré. Il n'y a pas beaucoup de tirs qui se rendent au filet. Mais un mané ça va débloquer là. Ça risque pas d'être un match extrêmement offensif et avantage numérique pour les Oilers. 40 secondes pour que ça marche. Oh, Tyler Bozak, la passe. Beaumister, Pitlick. C'est pourquoi j'ai dit Bozak. Longue passe. Saisi, deux contre eux. Est-ce que j'ai de l'aide? Non, j'ai. Oh, oh come on, Beaumister, quel jeu. Clefbaum. Passe à Hopkins, tente une passe à McDavid, c'est raté, les Blues contre-attaque, 2 contre 1, des avantages numériques. Bel arrêt, oh come on Talbot. Hop 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 McDavid, oh mauvaise passe de Connor McDavid. Beaumister, la passe à O'Reilly, à la pointe, Brown devant O'Reilly, tente un tir bien bloqué. Là les Blues là, tranquillement mettre le momentum de leur bord. Passe beaucoup plus de temps, surtout même en avantage numérique, on n'a même pas réussi à aller s'installer. The Rock saisit la rondelle et facilement, pas de stress, réussit à sortir. Connor McDavid, tente une fight, McDavid à la pointe, vers McDavid. Et encore une fois, McDavid qui perd la rondelle, peut-être un peu de stress du côté de Connor, Robbie Fabry. Le tir, bel essai. The Rock, revirement, récupère la rondelle et contre-attaque. La passe à Connor McDavid, 3 contre 2. McDavid va à The Rock, tente un tir, oh que ça a passé près. C'est le premier vrai chance de The Rock ce soir. Scandella, la passe et on va aller changer. On a eu une bonne chance mais on n'a pas touché le filet là. Un peu dommage. 8-56, avantage numérique cette fois-ci pour les Blues de Saint-Louis.
Et c'est un 2 minutes plein là, qu'on a à faire face. Darnell Nurse passe à The Rock et on va écouler du temps précieux. Là. The Rock s'amène. The Rock tente un tir. Ça a été faible, mais au moins ça s'est rendu jusqu'au filet. Good job, Jay Silo. The Rock intercepte. Revirement à The Rock encore. Face à Perron, mais good job. On a perdu de précieuses secondes. Zetterberg tente un tir. Bien bloqué. Derrière le filet, Zetterberg est frappé. Good job. Hop, 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 Nurse. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte, ça. Perron, la passe. Perrinco. Perrinco vers Zetterberg. Bel arrêt, Clefbaum. Draisaitl vers The Rock. Et le dégagement est complété jusqu'à l'autre bout. Et on va en profiter pour aller changer aussi. Oh, il y a un but. Et les Blues de Saint-Louis qui marquent le premier but. Oh non. À domicile en plus, ils marquent le premier but. Oh non. Come on, guys. Zetterberg seulement frappé pour URV, remet vers McDavid, let's go. Connor McDavid, passe à The Rock, The Rock, l'autre côté, McDavid, oh quel jeu du défenseur. Quel jeu du défenseur, pour URV, pour URV. J'essaie de donner une option, la passe, McDavid l'autre côté, ça s'est pas rendu pour URV. À mettre son net, bel arrêt, Connor McDavid, derrière le filet, la passe, pour URV, tente le tir, c'est bloqué, Zetterberg revirement, non. Oh les Oilers ont passé bien près de marquer le but qui crée l'égalité. The Rock. The Rock tentait de tirer la rondelle. Emerson pour URV. Belle passe. The Rock s'amène. The Rock tente un non. On a décidé de ne pas tirer finalement. La passe. Oh, raté. Mais c'est pour URV. Passe à The Rock. The Rock. Pas beaucoup d'options derrière pour URV. Pour URV. Derrière les filets pour The Rock. Mais la passe manquait un peu de précision. The Rock. Bataille bien. Derrière les filets. Attaque le filet. Sortir le but. Let's go. Let's go. C'est 1-1. Quel but! Rock the Rock Jr. crée l'égalité dans ce match! Oh my god, je l'ai travaillé, mais à un tel point! Son 15e des séries! Bon Edmondson, ça met dans le filet, il prend toute une mise en échec! Parenko, oh, ça a été difficile de se relever! Mais on est en série, on est fait fort! Mais oh que c'est super, non c'est Schwartz. Schwartz qui m'a défoncé. La rondelle qui a quand même réussi à pénétrer 2 minutes 21 et on m'en remet direct. J'ai même pas eu une minute pour respirer suite à la mise en échec. O'Reilly la passe, Vince Dunn passe vers Tarasenko, vers Dunn, vers Tarasenko, dangereux. Dangereux Tarasenko, le tir bloqué, The Rock saisi. Laisse-moi le puck. Le dégagement, oh come on, voir qui arrête ça. Parenko passe vers Dunn. Et là, les Blues s'installent. Dunn, la passe d'avant. Beau jeu de Rock. Pas de revirement, pas de revirement. Benning, passe à Draisaitl. Draisaitl vers The Rock. Un contre deux, The Rock 7. Tente un tir. Anodin quand même, mais au moins c'est un tir au filet là, en désavantage numérique. Tarasenko, son tir. Bel arrêt de Talbot. The Rock cherche le trouble un peu avec Tarasenko. Là. On cherche le trouble avec Tarasenko. The Rock et Tarasenko ont maille à partir. Ça n'ira pas plus loin. 21 secondes à la première période. 1-1 entre les Blues et les Oilers d'Edmonton. Tyler Bozak, la passe à Steen. 10 secondes. Le temps d'une dernière attaque pour les Blues. The Rock saisit la rondelle. Il va d'une passe de l'autre côté. Pour les Harvey, il va The Rock. Et voilà. C'est ce qui mettra fin à cette première période. Quand même, les deux équipes ont marqué un but. The Rock a créé l'égalité, mais au niveau des tirs, 14-9. Pour les Oilers, domination claire au niveau des tirs pour les Oilers, mais j'ai l'impression que les Blues ont eu les meilleures chances. En tout cas, quand on était sur la patinoire. Donc le premier trio là, se doit de se réveiller, même si on a déjà un but. Et les partisans sont là, là. The Rock réussit à se battre. La passe est pour Yuri, bon tir bloqué. Parenko aurait pu mettre la rondelle dans son propre filet. The Rock et Connor McDavid bonnent beaucoup de pression. Justin Brown. La passe à Schwartz, les Blues rentrent 2 contre 1. La passe de tir, quel arrêt! Quel arrêt de Talbot encore! Darnell Nurse, on essaie de donner des options. The Rock s'amène. Doug, belle fight. The Rock. Oh, pas beaucoup d'options. La passe à la pointe, on va au filet. Pour URV, tente un tir. Ah, mauvais tir, come on! Contre-attaque des Blues. Les Oilers ont fait un bon travail de repli là, là-dessus. La passe tentée pour URV, passe à McDavid et ça fait 40 secondes là. Drop ça dans le fond. Connor McDavid tente de surprendre Jake Allen d'un tir haut. Ça aurait pu franchement réussir. Mais bel arrêt de Jake Allen. 16-35.
On est en tout début de deuxième période. Et c'est l'égalité partout. McDavid. Et on gagne pas un bon pour lui avis. Un bon petit pour lui avis. Il est pas capable d'être tiré haut. Vince Dunn passe à Boomister. La passe à Schwartz. Jason Schwartz passe vers Boomister. C'est mon gars. Non, quelle mauvaise, je le savais. J'ai essayé de viser sa palette, mais c'est une très mauvaise pénalité pour The Rock. Mais au moins, les Blues ne marquent pas. Ah, j'ai besoin d'eau. Oh, 5 contre 3 pour les 18 prochaines secondes. On va regarder ça, là. Oh, The Rock sort. That's it. Avantage numérique terminé. Devant le flic, quel jeu de Benning. Oh my God, quel jeu de Benning. Schmaltz, good job. Schmaltz. Passe à Fabry, here we go. Bonne mise en échec sur Robbie Fabry là-dessus. David Perron contre-attaque. C'est la deuxième vague des Blues en avantage numérique. Perron, il va d'un tir, bel arrêt. Talbot décide de redonner vers The Rock. Et le dégagement, come on. Voir que Brown intercepte ça, ça fait deux fois. Oh, revirement, Connor McDavid et The Rock. La passe, Clefbaum tente un tir. Oh, la rondelle qui dévie, ça aurait pu franchement dévier dans le but ça. Back check, back check, back check. Contre-attaque des Blues. La passe Brown devant. Oh my god, les Blues ont des très bonnes chances de marquer là. Fabry passe à Brown. Vers Fabry. Good job. Et McDavid ça va. Oh come on McDavid. Non non, je veux pas me porter en attaque là. Je vais aller changer. Clefbaum. Clefbaum défenseur qui se porte en attaque en désavantage numérique. Drôle de situation. Faut arrêter de pogner des deux honnêtement du côté des Oilers. Et il y a un but. Il y a un but. Est-ce que les Blues ont marqué ou est-ce que c'est les Oilers? Peut-être deux buts même. 3, no way! No fucking way! Les Blues qui marquent 2 buts! Come on, guys! J'ai demandé en plus qu'il fallait que les autres lignes mêlent. C'est vraiment pas le cas. The Rock. The Rock a pas l'option. Tente un tir dévié! Oh my god! Voir que Jake Allen fait l'arrêt. Oh, come on, guys! Il reste beaucoup d'hockey à jouer. 8 minutes encore. Et il reste une autre période pleine. O'Reilly vers Tarasenko, vers Brown. Brown vers Parenko, vers Tarasenko. Et là, les Blues s'installent. Belle passe. Interceptée par The Rock. Pour lui, Harvey contre-attaque. Pour lui, Harvey, j'essaie de donner une option quelconque par la bande. The Rock saisit. La passe. Un peu manqué. Amendo Sonnet. C'est Rock qui manque de très très peu là-dessus. Ryan O'Reilly passe vers Parenko. Back check, back check, back check. Good job face à Jason Schwartz. Beau back check. On force le dégagement. La passe. The Rock. Belle passe vers Connor McDavid. Contre-attaque des Blues. J'y vais. J'y vais. Dans le nose. Passe vers The Rock. The Rock. Let's fucking go. Come on, guys. Wake up. 3-2. C'est pas terminé ce match-là. C'est mon match. C'est mon match. Connor McDavid, le meilleur joueur. I don't think so. Je pense pas, non. Rock the Rock Jr. C'est mon match, c'est mon septième match. Les Blues m'empêcheront certainement pas d'aller en finale de la coupe. Quel tir! Oh my god! Woo! Let's go là! Ah, 3-2. 3 minutes 44. Les Blues sont en avant d'un but. Il va falloir que les Blues sortent The Rock du match ou le dérange ou peu importe là, parce qu'à date là. The Rock commence à faire très très mal aux Blues. Si c'était pas The Rock là, c'est 3-0. Interception! Here we go! 1 contre 2, The Rock s'amène. Attaque le défenseur. Ah, mais beau jeu. Beau jeu de ce dernier. Dégagement. Good job. Bonne mise à échec, McDavid. The Rock! Let's go! Let's go! Hat-trick! Et c'est 3-3! Woo! Let's go, man! Tour du chapeau pour The Rock et les nombreux partisans des Oilers sont fiers de leur joueur. 3 buts ce soir, quel jeu! Puljujärvi qui défonce le défenseur, McDavid qui trouve The Rock et quel lancé sur réception! Bang! Quel tir! Ce trio-là, on en avait besoin, on avait besoin qu'il se réveille. Et c'est exactement ce qui est arrivé, 17e but, mais pour Puljujärvi aurait dû avoir une passe là-dessus, là. C'est toute grâce à lui. Tarasenko. Là, les boys, là, ça me prend du soutien. Connor McDavid et The Rock en contre... Oh, mais oh, The Rock, contourne. Ah, pas d'option, il n'y a pas d'option. Devant, McDavid, oh, beau jeu du défenseur et on va aller changer. J'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix.
Deux minutes à faire à cette deuxième période. Quel match de fou on a jusqu'à présent là. D'ailleurs que là, il peut pas marquer 6 goals pour faire gagner. Il faut que Talbot commence à bien goaler. J'ai pas vu les buts là, mais faut que ça. Belle arrête Talbot, good job, good save. Et The Rock saisi, watch out, good job. Good job! Draisaitl, on est rendu sur le deuxième trio avec Draisaitl, il y a peut-être un blessé. The Rock tente de couper, mais on le sait, là, on le sait, les Oilers me surveillent. Robbie Fabry. Contre-attaque. Pas d'option pour Robbie. Good job, The Rock. Bloque la passe en plongeant. Derrière le filet, c'est Zetterberg frappé par The Rock. Good job! Un autre bonne mise en échec. Les Oilers s'impliquent physiquement. The Rock contourne facilement. La passe à Connor McDavid. Les Oilers sont en contre-attaque. Oh, mauvaise passe. Robbie Fabry, good job, bonne mise en échec. Oh my god! Hop, 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 hop! The Rock s'amène. La belle fight. The Rock, oh, quelle fight encore! La passe tentée, mais là, j'avais plus d'options. Là. Il y avait juste plus d'options. Patrick Maroon, revirement. Revirement sur Patrick Maroon, tente une passe. Oh, on la passe! Oh, let's go! Ryan Strome! Et c'est 4 à 3 Oilers! Avec 13.5 secondes à faire à la deuxième période. Ryan Strome, son cinquième des séries. Quelle passe de Tobias Ryder to Ryan Strome qui soulève le disque par-dessus la mitaine de Jake Allen qui connaît vraiment pas un bon match. Et devinez quoi, The Rock récolte un quatrième point ce soir. Et les Oilers le mènent par un but. Les Blues ont pris les devants 2 buts d'avance. Oilers, grâce à The Rock, back-to-back, ont marqué 2 buts. Et là, Strome a marqué. On a 8 minutes de pénalité en plus. Aïe, aïe, 4 à 3. Les Oilers, il reste une période. C'est très serré au niveau des tirs. C'est très serré au niveau des mises en échec et des buts. Donc, come on, là. Justin Braun dégage et les Oilers vont contre-attaquer. Clefbaum, là, là c'est défensif, faut jouer ça défensif. Schwartz check le devant du filet, good job, beau travail. Braun tente une passe, good job. Puljujärvi trouve The Rock. The Rock s'amène, la passe Puljujärvi vers McDavid, bel arrêt de Jake Allen. Connor McDavid, mise en jeu, remporté. The Rock tente un tir, McDavid le retour. Joue le rôle de troisième homme. McDavid passe à The Rock vers Clefbaum. Vers The Rock. Low shot. J'avais pas plus d'options et on a mis des tirs au net. Schwartz. Tente de. Oh, good shot. The Rock MVP. Contre-attaque avec McDavid. The Rock et McDavid. The Rock vers McDavid. Vers Nurse. Oh, Puljujärvi. Wait. The Rock pas d'option. Il va le dégagement. Seulement frappé. McDavid. Schwartz. Revirement. Puljujärvi passe à The Rock. The Rock, regardez ça, 2 gars sur The Rock. Puljujärvi, quel arrêt! Jake Allen vient de voler JC Puljujärvi d'un arrêt splendide de la mitaine. Oh, que là, il vient de garder son équipe dans le match. 4 à 3, il y en a. Hey, les Blues de Saint-Louis et NHL EA Sports veulent vraiment pas que je gagne. Un autre but pour les Blues de Saint-Louis ce soir. Steen, contre-attaque, comment Diff? C'est pas moi le défenseur, là, let's go. La passe, contre-attaque, avantage numérique. Les Oilers. Oh, la passe. Le tir en bloqué, on le sait, c'est quoi je fais. Oh. McDavid. Tente un tir, Jake Allen fait l'arrêt. Et 20 secondes à faire à l'avantage numérique. Connor McDavid. 20 secondes à. Oh. Oh my god, The Rock a raté le filet de beaucoup. Hopkins. Ryan et Jim Hopkins. McDavid! Et le but! Connor McDavid! De l'angle restreint en avantage numérique! Et les Oilers reprennent les devants! The Rock qui a collé en début de match que ça serait un match tranquille niveau offensif. Oups! Clairement pas! Connor, son 7e but des séries. Et bon jeu de Ryan Eugene Hopkins derrière les filets. McDavid se libère. Oh, il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais Jake Allen là, se doit d'arrêter ce genre de lancer là. T'as pas le choix là. Oh my god, let's go!
Oh, j'ai une passe! Cinquième point, Derek a participé à tous les buts. La passe, mauvaise passe là-dessus, c'est my bad. Zetterberg, frappé par Derek, gros jeu. La passe avec Clefbaum et les Oilers contre-attaque encore une fois. Connor McDavid. Passe avec Clefbaum. Tente une passe à McDavid. Derek est là, il y a de la pression. Malheureusement, c'est Parenko qui récupère. Là, là, les boys, le troisième, quatrième et deuxième ligne, là, accordé des. Oh my god! Une autre pénalité! 5-4. Good job, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de dommage, excellent. De toute façon, j'ai 5 points, coach, là. Même si je pogne 2 pénalités, là. Maintenant, là. Zetterberg, la passe à Schmaltz et les Blues sont à contre-attaque. Schmaltz. J'ai mon joueur. Schmaltz, j'ai mon joueur. La ligne de passe est coupée. Schmaltz, that's it, c'est mon gars, ça. Good job, Fabry. Brown, Fabry, Schmaltz. Toujours pas d'option. La passe. Zetterberg, tu sais, qui est bloqué par Clefbaum. Beau jeu. The Rock ne réussit pas à récupérer. Good job, par contre. Et contre-attaque, un contre un. Non, il y a un repli. The Rock s'amène. Tente une fin, c'est partiellement. Oh, mauvais passe. Perron avait bien lu le jeu. Il reste 8 minutes et on a un but d'avance, les boys. Come on, là. Tenez. Bon. 7,55 à faire. Tobias Reeder, The Rock est encore sur la patinoire. Il joue avec Reeder, il joue avec Draisaitl, il joue partout. Partout, The Rock. Connor McDavid gagne la mise en jeu. Larson, la met dans son net, mon gars. Oh, good save, Jake Allen fait l'arrêt. Il n'y a pas de retour. Mise en jeu assez importante en zone offensive. Il faudrait peut-être marquer un autre but pour donner un coussin à Cam Talbot, là. C'est rare qu'il y ait eu des parties difficiles comme ça, là, mais faut l'aider. Parenko, la passe. Petrick Maroon, good job pour Yavi. Non, ok, beau jeu pour Yavi. Pour Yavi entre. Passe à The Rock. Oh non, tentait une feinte, c'était pas tout à fait ça, je voulais faire. Tyler Bozak. Passe à Patrick Maroon, solidement frappé, good job, McDavid. Larson, belle passe, The Rock s'amène. The Rock. La fête, oh, c'était pas cette fête-là. Je veux faire la fête entre les jambes. Come on. Contre, oh, good job. Bonne mise en échec. Adam Larson. Passe à McDavid. McDavid, la passe à The Rock. Pas de stress. Ça met ça au net. Et Jake Allen dribble encore. Il y a de la misère. 4-0-9. Il reste 4 minutes. Et on est à 4 minutes d'aller en finale de la coupe. Schwartz seulement frappé. Tarasenko. S'il y a bien un joueur qu'il faut pas laisser tirer, c'est lui. Dans le filet, Schwartz, deux fois, good job. Boomister, la passe de Tarasenko vers Boomister. Devant O'Reilly, Tarasenko. Là, les Blues le jouent avec l'énergie du désespoir. La passe à la pointe, Dunn. Devant, bel arrêt. O'Reilly, tir bloqué par The Rock, good job. Et contre-attaque, Jesse Puljujärvi. Puljujärvi, il va d'une fête en entrée de zone. Come on. McDavid, la passe. The Rock est là. Il reçoit la passe et il n'y a pas d'option. Low shot. Pas d'option, low shot. Steen solidement frappé par The Rock. Steen encore une fois frappé. Sorti du gardien du côté des Blues. Il reste 30 secondes. Schwartz vers Maroon. Patrick Maroon. La passe, good job. Oh. Dégagement, je m'en fous. Je m'en fous carrément là. Brown vers Zetterberg, vers Patrick Maroon. Patrick Maroon frappé solidement par The Rock. Quelle rondelle, c'est Sequeira. Rate sa passe. Quel mauvais jeu. Schwartz derrière, devant. Oh, le tir qui rate de beaucoup. Zetterberg tente un tir. 5 secondes. Come on. Larson, The Rock, est-ce que la rondelle rentre devant? Oui! Et les Oilers s'en vont en finale de la Coupe Stanley. On l'a eu. On l'a enfin eu. Let's go. 18e but des séries. Et 4e but ce soir. Woo! Let's go! Larson et McDavid obtiennent des passes. Et les Oilers s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Une première depuis la Caroline. Depuis qu'ils ont joué en finale contre la Caroline, mais cette fois-ci, on va la gagner, la finale. Et avec les Blues, pour vrai, bravo les Blues. On n'avait pas perdu un match, puis vous avez réussi à nous amener en 7e match. Et si c'était pas The Rock et du premier trio, les Oilers, là, je suis mieux d'avoir un contrat d'au moins 10 millions de dollars après ces séries-là, là. My God!
Connor McDavid, le capitaine. On veut pas toucher le trophée Hans Clarke Campbell. Let's go, guys. Let's go. Et ça, c'était tellement un but important. Bang! Quel tir! Beau jeu de Paul Harvey et les Oilers. Big fan of Edmondson. Oh my god. Et les Oilers d'Edmonton. Aïe aïe. On a 6 buts et The Rock a 6 points. 4 buts, 2 passes. Incroyable. 45 tirs, 4 buts, 2 passes, 1 but, 2 passes pour Connor McDavid. De loin, le meilleur joueur en série et je vous dis de très très loin là. Et les Oilers d'Edmonton vont affronter quelle équipe? Vont affronter les Blue Jackets de Columbus. Donc c'est Edmonton contre Columbus en finale de la Coupe Stanley. Oh que ça va être intéressant. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour le début de cette finale de la Coupe Stanley là. Merci d'avoir suivi ce 7e match. J'espère qu'il a été aussi intéressant qu'il a été intéressant à jouer. Bonne continuation. À la prochaine. Ciao.